Bonjour à tous, ici Pierre Lotz. On se retrouve dans la pensée du moment 49. La nature nous parle directement de l'existence de Dieu, n'est-ce pas? J'ai voulu commencer comme ceci la vidéo avec, en vous montrant la végétation, le ciel, le bruit des cigales, des oiseaux, la diversité de la nature avec tout ce qu'on peut voir. Et ça nous parle directement de l'existence de Dieu. Si aujourd'hui tu es découragé, mon frère, ma sœur, si tu te dis que tu ne vois pas Dieu, que tu ne le sens pas autour de toi, c'est vrai que Hébreux 11.1 nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de réalité qu'on ne voit pas. On est tout le temps amené à croire dans ce qu'on ne voit pas. Mais par moments dans nos vies, c'est vrai qu'on a envie, de se dire j'ai envie de voir Dieu, j'ai envie de pouvoir le voir tout simplement. Eh bien, je voudrais vous dire que vous pouvez le voir à travers sa nature, à travers la végétation, à travers les animaux, à travers les fleurs, à travers la mer, les montagnes. Car tout ça, on sait très bien que ça n'a pas été créé par l'homme. On sait très bien que ça a été créé par Dieu, mais vraiment. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager et vous dire ce matin que peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous vivez, sachez que Dieu est réellement vivant. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, Hébreux 11.1, je répète, nous dit que la foi, parce que en tant que croyants et chrétiens, nous avons cette foi. Mais la foi, c'est croire dans ce qu'on ne voit pas. Et par moments, dans nos vies, on peut être fatigué de ne pas voir, en fait, ce qui est réel. Mais en fait, dans la réalité, c'est que ce qu'on ne voit pas est vraiment réel. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que vous pouvez vraiment le voir de vos yeux en regardant la nature. Vous voyez la nature, comme je disais tout à l'heure, les arbres, la végétation, les fleurs, les animaux, les insectes, tout ça nous montre que ce n'est pas l'homme qui a créé ça, c'est Dieu qui a créé ça. Donc, vous avez vu aussi au tout début, je vous ai montré le ciel, tout cela, on sait très bien que ça ne peut pas avoir été créé par un homme. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous amener dans la foi et de vous amener à croire que Dieu est réellement vivant et que la nature, la végétation, toutes ces choses-là nous prouvent réellement que Dieu est vivant. Alors ne sois pas découragé, ne sois pas triste. Si aujourd'hui tu passes par des difficultés, eh bien tu peux directement parler à ton Dieu. Il t'entend, il t'écoute et il veut agir dans l'instant T. Sois béni, bonne journée, à bientôt.